Allez, c'est parti pour la suite. On se déploie. Les sauveurs d'Anziel. Anziel, pas cap. Oui, Anziel, c'est pareil. Pareil au même. C'est pareil. Donc on a quoi? Alors, on a... Ah, de l'eau basse, d'accord. J'imagine que l'idée c'est d'attirer l'attention suffisamment pour que l'ennemi n'attaque pas la forteresse. Ouh, 5 berserkers. Ouf, ça coûte une fortune en plus. Il faut encore me dire 5 elfes, mais... Ah. Pourquoi est-ce qu'ils ne descendent pas? Doublez les attaques, détruisez-les. Oui, monsieur. Ils sont vraiment sérieux. C'est pas bon, nous sommes en sous-effectif. Si ça continue, on est aussi bien mort. À la tête plus alléchée. On a juste besoin d'attendre que les renforts arrivent. Qui est à la défense du fort Anzel? Le commandant Albert et ses troupes. Il semble plutôt bien s'en tirer tout seul. Très bien, allons leur donner un coup de main. Dépêchons-nous, Albert est en danger. Tu les connais, toi? Tu viens pas de là, normalement. Comment tu sais qui c'est? Oh, elle m'inquiète de plus en plus, la petite. Hein. Commence à me poser des questions sur elle. Est-ce qu'il peut aller dans l'eau? J'ai tellement peur de me faire attaquer par derrière, en fait. Oui, j'ai quelques peurs irrationnelles. Gestion au début. Hein. Il n'y a plus rien à avoir peur. Ne laissez pas vous repousser d'un seul pas. Tenez jusqu'à ce que les renforts arrivent. Pourquoi vous rentrez dans la base alors? Entraînez-les dans l'eau. Nous avons l'avantage. Plutôt que sur la terre. Ouais, faut que t'as l'avantage. Moi aussi j'ai un lizard. Jamais il veut m'emmener dans l'eau, il rêve lui. Par contre.
peux aller. Voilà, hop. Pas fan de la Terre, donc elles ont un peu de mal à retourner sur Terre. En genre. C'est quoi cette différence de puissance? Aussi c'est des unités marines normalement. On a gagné un petit truc. Après. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour amener cette garnison à tomber? Je vais leur montrer, moi, ces idiots, comment on fait ça. Ouais, ça a pas l'air d'être une bonne idée, ton truc. Non, pas encore. On peut encore continuer à tenir. Donc vous allez tenir un peu plus que 4 secondes, oui. Voyons si vous tenez une charge de cavalerie. Ah, moi ça devrait aller. Attendez-nous, Albert, on arrive pour vous libérer! J'avoue que j'aurais aimé que tout le monde soit en dragon, mais. Mais ici, parce que. Des serpents qui sont en train d'essayer d'attaquer dans mon dos là. Mon dos, j'ai Clayleuse. Putain, j'ai une espèce d'abeille là. Qu'est-ce que ce truc? Toi, Mickaël. Important là tout de suite. Il a tout. Hein? Oui, il a tout.
Pas fan hein, des hommes poissons. J'aurais dû laisser la mage venir de mon côté. Pourquoi le défenseur il s'est pas foutu devant? Il se cache comme un pleutre. Je suis bien d'accord avec ce tournant. Désolé, mais on n'a plus le temps de s'amuser. Surtout s'ils tiennent la forteresse. Même quand même les capitaines ennemis ont une voix de méchant quoi. Stéréotype 3000. Le prince Ledin, l'aide arrive, tout le monde, on y est presque. Tiens le coup Albert, on arrive. Mais pas trop vite. Pas sûr qu'on n'amène pas plus de problèmes qu'on en enlève. Hein. On te ramène les hommes poissons quoi. Tour d'après, on envoie une harpie aller chercher l'objet. Lady, 失
Bedin. J'en ai marre que tu interviennes. Encore toi, Lance. Tu devrais partir. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je me venge pour que le fait que tu m'aies fait passer pour un idiot. Tu l'as fait tout seul, ça. Bon, il faut que je mette quelqu'un là au bout du pont. On va laisser la healeuse et on va mettre. Bah, moi, hein. On aurait peut-être dû prendre les berserkers finalement. Il y a peut-être la stratégie du fit chien qui peut passer. Il est fou, oui. Je ne perdrai pas face à vous. C'est toi qui décide en fait. Son, c'est moi. Si vous voulez vivre, soyez gentil et sortez de mon chemin. Bande de merde, ne pensez pas que vous avez la moindre chance contre moi. Vous n'êtes que des idiots. Ouais, enfin. Je vais me garder. Et ta bouche pointe trop l'ouvrir, s'il te plaît.
N'interférez pas! Hey, salut Mia, je suis désolé, j'avais pas vu ton message. J'étais concentré comme un con. Je suis vraiment désolé. Comment on met pour le mettre les heures? Alors oui, Langrisser, en fait, c'est une série de TRPG sur NES. Super NES, je sais plus, un des deux, à l'origine, voilà. Et en effet, le jeu mobile est sorti l'année dernière, je crois, si je me trompe pas. Personnellement, il m'avait pas spécialement plu. Et après, moi, j'ai un problème avec les jeux mobiles depuis quelques temps, disons. Pas sûr que ça soit vraiment Langrisser le problème, là, donc. Dans le buzin. En tout cas, en effet, c'était un jeu mobile l'année dernière. Qui est d'ailleurs toujours accessible, hein. Je dis c'était, mais c'est toujours. Hein. Moi, je l'avoue sans peine, les jeux mobiles, j'y suis passé. J'y ai passé des siècles. Je jouais à un City Combat très connu que je ne citerai pas. Alors, le mot plagier est peut-être un peu fort quand même là. J'avoue. Oui, c'est un TRPG. C'est un des premiers du genre. Ah si si, ça a tout à voir. Hein. Il reste un cycle d'armes assez évident. Sauf qu'il est plus basé sur le nombre de soldats, les packages, il y a beaucoup plus de stratégie de masse. Contrairement à un Fire Emblem. Dans un Fire Emblem, t'as rarement de la stratégie de masse en fait. Normalement, tu bouges tes unités. Et à un moment, quand t'as des mecs tellement uber skillés qu'ils tuent tout seul, c'est bon, c'est pas ça. Ça m'attriste parce que en disant ça, j'ai l'impression de critiquer Fire Emblem, alors que je sais très bien que je critique pas Fire Emblem. C'est juste que c'est deux genres différents en fait. C'est la même sauce, ça reste du TRPG, et ils sont partis sur des veines de stratégie un peu différentes. Pour mon plus grand plaisir. Donc. Tu manipules pas un Langrisser de la même façon que tu manipules un. Un Fire Emblem. On prend grave cher. Ça parce qu'ils sont en hauteur quoi. Ouais, ils se basent beaucoup sur les écrits de Sun Tzu pour les stratégies, la hauteur est toujours gagnante, les choses comme ça. Des bricoles qui sont très intéressantes. Si vous avez jamais lu le livre de Sun Tzu, c'est assez court, hein. Et toute une philosophie du combat. Très sympa.
Je dirais bien que je suis pas dégoûté, mais le mien, il est à la poste. J'avais commencé Animal Crossing moi aussi vendredi. Comme tu peux voir, ce n'est pas Animal Crossing. J'espère que tu es prêt à finir cela. Putain, il tape fort le con. Tu vois d'autres que toi souffrent. Je suis au martyr. J'aurais pu faire ça avant. Et comment t'appelleras ton île ou c'est une surprise? Je sais pas. Baké Island? Ça me ressemble bien. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de faire des surprises, hein, tu sais. Tous les objets inutiles donc indispensables. Ouais. Et toi, Mia, comment tu vas l'appeler? Attention, un bac à Islande, c'est déjà pris. Hein. C'est que c'est génial, mais.
Lovely Iceland? Bah pourquoi c'est pas nul? Putain, je fais des erreurs de con en plus, juste en allumant des attaques quoi. Tu sais, en France, la série s'appelle La Croisière s'amuse. Tu sais comment elle s'appelle en anglais? Regarde. Je vais être étonné. Hein. Vous allez être étonné. Alors non, c'est pas Lovely. C'est The Love Boat, le bateau de l'amour. Traduit en français, hein, la croisière s'amuse. Le traducteur qui avait tout compris. Enfin voilà. Je veux dire, des fois on trouve que c'est niais, mais en fait ça l'est pas. C'est juste mignon à la limite. Mais après, si tu trouves qu'il te représente plus comme t'es maintenant, oui, en effet, change. Mais si c'est un nom qui te plaît et qui t'a fait perdurer dans le temps, je vois vraiment pas de raison d'enlever juste parce que. Ouais, mais je suis adulte, alors il faut plus que je l'appelle comme ça. Après, je sais pas si c'est une bonne idée de prendre conseil auprès d'un mec qui a porté. Qui a porté un caleçon sur sa tête pour jouer à Catherine, quoi. Ah, déjà, tu le fais pour toi, et puis de toute façon, des noms ridicules, il va y en avoir. Hein. Je pense que des fuck Iceland et des trucs comme ça, des trucs totalement à l'ouest que les mecs ils mettent pour rigoler, ils vont en avoir par paquet de 12. Puis bordel, c'est pour toi que tu joues. Mais il est trop beau ton caleçon, Bekel. Ouais, en plus, c'est le caleçon de Catherine. Hein. J'ai jamais porté ce caleçon, hein. Juste une fois sur la tête. Hein. Enfin, deux fois sur la tête. Voire trois même. Mais je l'ai jamais mis pour de vrai quoi. Déjà parce qu'il me va pas et parce que c'est un produit publicitaire. J'arrive pas à croire que tu m'es vaincu une nouvelle fois. J'arrive pas à croire que t'arrives pas à le croire. De toute façon, si c'est pas toi qui l'appelle Lovely Iceland, ce sera moi. Décidé. À toi de voir si tu veux garder l'originalité de ton nom ou pas, on l'offre.
Tu sais, encore aujourd'hui, quand je dis à des collègues que ma passion c'est le jeu vidéo, que c'est ce que j'aime en fait, j'aime découvrir des histoires et tout, ils me regardent de travers. Pour eux, le jeu vidéo c'est un média de gamins. Parce qu'ils ont été élevés en fait dans un environnement où pour ceux qui les ont élevés, c'était un truc de gamin. Ils ont été élevés comme ça. Et je vais pas leur jeter la pierre. Derrière, je leur dis, oui, mais t'as lu combien de livres cette année? Et ils me font comment ça? Je fais bah parce que moi j'ai lu une cinquantaine de livres. Et il me fait ah non mais j'en ai jamais lu 50 dans ma vie. Et je lui dis tu vois c'est tu dis que je suis un gamin parce que je joue aux jeux vidéo, mais je pourrais te dire que t'es illettré parce que t'as pas lu 10 livres dans ta vie quoi. Et les mentalités évoluent, mais le problème c'est que c'est le temps que les anciennes générations repassent. Mais oui c'est ça. Hein. C'est pareil, j'ai des copains qui disent que le jeu vidéo c'est un médium de gamin et qui passent des heures à se tuer sur FIFA avec leurs potes. Enfin, moi je suis désolé, hein. FIFA ça reste un jeu vidéo, quoi. C'est impossible, c'est possible. Je te... Il y avait que lui à tuer! Merde. Albert, où est Albert? Ici, votre majesté. Je ne peux pas imaginer ce qui serait passé si vous n'étiez pas arrivé à temps. Est-ce que tout va bien? Je m'excuse pour mon retard. Il faudra bien plus que ça pour nous faire tomber. Au fait, où est ce vieux fou que vous appelez père et roi? Père est tombé en essayant de défendre le château de Baldea. Non. Ces bâtards d'impériaux. Albert. Je compte les me battre contre l'Empire pour pouvoir récupérer le Langreiser. Te joindras-tu à nous? Cela va sans dire. Je comptais quitter la garnison en l'offrant à mon adjudant. Maintenant, allons retrouver le nom du roi. Allons restaurer le bon nom de notre roi, Ilzak. Oui, merci bien. Votre Majesté, les équipes de reconnaissance ont découvert des troupes ennemies qui se retirent. Ils essayent de fuir, hein. Vu que leur attaque avancée a échoué, ces trouillards sont en train de s'enfuir. On ne doit pas les perdre de vue. Bien, suivons-les. Pas sûr que ça soit une bonne idée en fait de les suivre. C'est bien le principe. Les glaives. Ouh. Donc j'ai 7 combattants, 3 combattants. Robe de magicien. Ah, il peut directement passer Highlord. Highlord! Je vais essayer de partir sur Highlord. Hein. Maître chevalier.
Oh, catalyseur magique. On manque d'un. Une seule glaive. Non, deux. Je lui laisserai pas un peu de défense. C'est bien le round shield là. Bien, on est pas mal là. On a équipé tout le monde. Ta 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 ta. Sauvegarde.